Pour cette demi-finale exceptionnelle, les enfants, nous avons une belle surprise. Vous aimez tous les comédies musicales, on a pu le voir. Alors vous le savez, depuis le 22 septembre, l'événement à Paris, c'est le spectacle Mozart, opéra rock ciné d'Abatia et Albert Cohen. Un spectacle époustouflant sur la vie tumultueuse de Wolfgang Amadeus Mozart, avec les voix de Michelangelo Loconte, Florent Motte, Claire Perrault ou encore Mélissa Mars et Solal. Les enfants, ils sont tous venus pour vous encourager ce soir. Je vous demande de faire un triomphe à la troupe de l'opéra rock Mozart qui nous interprète Tatoue-moi. Ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, honnêtes et braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadente pour te surprendre. Tâte-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Du bout de mes lèvres. Tâte-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Ça va? De leur ville arrogante. Mais quelle inconvenance! Allons chez les bourgeois, siffler leur vin, taquiner leur conscience. Tu paieras cette offense. Que m'importe les rires et les regards sur tes travers. Ils sont ma richesse, mon étendard. Ils sont ma terre. Tâte-moi sur tes seins. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tâte-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Tâte-moi sur tes seins. Je baisserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tâte-moi sur tes murs, un futur à composer. Je veux graver toutes mes luxures sur tes dorures. Te tatouer. La troupe de Mozart, Florent, Florent, Mélissa, Michelangelo, Claire, Solal, merci d'être avec nous ce soir. Et on fait un petit coucou à Maëva qui est malade malheureusement, qui n'a pas pu nous rejoindre. Et ben on l'embrasse très très fort. Et oui, c'est vrai, vous avez quand même un rythme intensif depuis le 22 septembre. Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner aux enfants? Parce que souvent pendant les castings, ils nous disent nous on rêve de faire une comédie musicale. C'est vraiment le rêve des enfants. Oui, moi j'en ai un. Moi, enfin j'en ai deux. Le premier, toujours croire en son rêve. Le deuxième et le plus important, travailler. C'est ce que j'allais dire. Et ben super, on vous retrouve tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, on peut les applaudir encore plus fort. À tout à l'heure. Merci. Avant de découvrir la deuxième prestation de nos petits chanteurs, on retrouve la troupe Mozart. Ils reviennent vous interpréter le deuxième tube de leur opéra rock, un titre fort interprété pendant le spectacle par Florent Motte qui joue le rôle de Salieri. Un petit mot d'ailleurs, Bruno, vous les connaissez bien?
À peine, ouais. À peine, on l'a pas évoqué tout à l'heure, non, mais... Non, non, mais je suis assez ému de les voir là en promo. Explique ton métier, les gens ne savent pas. Ah bon? Bah, je sais on pas. Vous découvre, c'est oh, la demi-finale, d'accord. On ne sait toujours pas ce que toujours vous faites pas dans la vie. Ouais. Bah, avec Dovatia et Albert Collen, les producteurs du spectacle, nous avons donc fait le casting de Beaux-Arts. Et donc, nous avons choisi... Donc c'est toi, tous ceux qu'on voit là, c'est toi qui... Ah non, c'est pas moi, c'est eux. C'est toi, non, c'est pas eux, Bruno c'est pas moi. Tout seul. Hein. C'est pas moi tout seul, mais disons qu'on fait la tête chercheuse. Et c'était des évidences? Là, ça a été évidemment que c'était des évidences puisqu'ils sont là, mais c'était pas les seules évidences, il y en avait d'autres aussi. Mais moi, je suis vraiment ému de les voir. Et il y a Laurence Guillet, la directrice de casting de l'école des stars, me disait que Tatou moi était la chanson la plus chantée par les enfants pendant les castings. Donc ça m'impressionne énormément. Et Mozart est un spectacle aussi pour les enfants parce que ce qui est bien dans ce genre de spectacle, c'est de voir des enfants de 8-9 ans, savoir qui est Mozart déjà et vouloir après écouter de l'opéra et tout. Donc c'est aussi un spectacle pour les enfants. On va tout de suite les accueillir en chanson et on va discuter un petit peu avec eux après. Ce soir, spécialement pour vous, une version collégiale de la Sainte Symphonie avec la troupe de Mozart. Intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. Je vous m'ennuie à la Sainte Symphonie, au Requiem. Tu en pars dépit, ce que je sème. Je vous m'ennuie à la Sainte Symphonie et au blasphème. Dans mon esprit, faites mes défaites, sans répit me défie. Je renie la fatale hérésie qui ronge mon être. Je veux renaître. Concerto, je joue sans toucher le pot. Mon talent sonne faux. Je noie mon ennui dans la mélomanie. Je tue mes phobies dans la désharmonie. Je vous m'ennuie à la Sainte Symphonie. J'avoue, je maudis tout ce qui...